Bonjour, mon camarade. Aujourd'hui, le 29 mars 2020, Severe Acute Respiratory Syndrome, related coronavirus, qui donne maladie COVID-19. Côte nous peut situer actuellement dans le monde entier, à nous guette bon chiffre. Moi, je te connais 201 territoires infini affectés. États-Unis, il finit gagner 123 776 cas, 2229 décès déjà. Zorodine gagne 198 cas et 8 décès. Italie, 92 472 cas avec 10 023 décès. La Chine, 81 439 cas, 3 300 décès. 45 nouveaux cas aujourd'hui et 5 décès. L'Espagne, 73 235 cas avec 5 982 décès. L'Allemagne, 57 695 cas avec 433 décès. La France, 37 575 cas, 2 314 décès. L'Iran, 11 679 cas, 2 517 décès. Comment tu peux trouver, ça m'a un grand pays, il n'affectait beaucoup pour sa pandémie là. Il y a une chose qui est positive là-dedans, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Iran, ils gagnent 0 cas aujourd'hui. 0 cas et 0 décès. Coronavirus, de tout du monde ne peut qu'on parler avec flou. Mais quand on peut quitter le nombre des cas et sa vitesse qu'il peut propager là, on peut trouver qu'il est beaucoup plus contagieux qu'il flou. Il est beaucoup plus dangereux. Une pandémie, c'est quoi? Une épidémie, c'est une maladie qui peut propager dans certaines régions du monde, qu'en même temps, plusieurs du monde peut infecter. Et à une certaine vitesse. Quand cette épidémie-là commence, dépasse le seuil des frontières, des territoires, il commence à faire partout dans le monde, il devient une pandémie. Ce qu'il veut trouver, c'est une pandémie. Une pandémie, nous pouvons classifier en deux. Une pandémie rapide. Et une pandémie contrôlée ou lente. C'est un exemple qui m'a donné là, c'est un exemple des pandémies rapides. Beaucoup malades, beaucoup de monde peut infecter en même temps, à une certaine vitesse. Quand du monde malade vient à l'hôpital, mais malheureusement, quand on a une pandémie rapide, on a un problème au niveau soins hospitaliers. Pour contenir tout ça du monde là en même temps dans l'hôpital, et pour sa maladie là, nous peut utiliser un appareil sophistiqué, un appareil respiratoire artificiel. Ça peut causer un extra problème. Beaucoup de monde pas périssé gagner soin à temps. Donc, par exemple, dans l'Espagne, du monde peut besoin dormir au couloir à l'hôpital, puis dans la place. Je peux être en retour et n'a pas fini de décéder dans le couloir même avant de gagner ça, soin là. Il est bien chagrinant. Le cardiaque est horrible. À ce moment, le personnel soignant peut commencer malade, qui diminue. Capacité et soins qui nous capable de donner. À ce qu'on nous compare avec une pandémie lente ou contrôlée, écoute, heureusement, malheureusement, nous avons 100 cas escaliers dans Maurice. Heureusement, les autorités, les gouvernements, ils ne réussissent pas une mesure scientifique à temps pour contact tracing. Pas payer l'économie, payer la santé du monde avant. Pour contact tracing, pour confinement, pour couvre-feu, aujourd'hui, nous réussissons à gagner 102 cas. Et il n'est pas pareil comme à des hauts, beaucoup de monde n'est pas bien affecté. J'ai besoin de réaliser que si pas tu penses à ma mesure de confinement, là, combien de monde tu peux finir affecté à Maurice en ce moment?
Est-ce que tu prends assez de place dans l'hôpital? Est-ce que tu es capable de contenir tout ça dans l'hôpital? Ou pas quoi? Nous devons remercier le gouvernement. Nous devons remercier bon Dieu qui ici, sa maladie-là, lui donne un niveau, une pandémie contrôlée. Qui fait ne peut bien faire ça? Confinement là. Comment on me fait dire? Nous devons ralentir sa pandémie-là. Pour nous capables de gagner assez d'effectifs dans l'hôpital, assez de ressources dans l'hôpital, pour tout le monde capable de gagner les autres soins. Et à temps. Deuxième affaire, nous n'avons pas oublié, nous ne pourrons gagner aucun vaccin contre le coronavirus. En d'autres mots, nous devons rester les temps jusqu'à ce que un grand pays réussisse à développer un vaccin contre ce coronavirus-là. Entre-temps, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons coopérer, nous devons coopérer avec le gouvernement. Nous devons comprendre qu'il y a une mesure scientifique pour empêcher sa maladie, la fanée. Qui peut arriver de haut? Il y a du monde qui peut finir décédé. La famille pas peut réussir à être figée les autres familles qui sont décédées. Mais bien finir enterrer les autres ou incinérer les autres. C'est bien horrible. Nous devons comprendre ça bien. Nous devons suivre les consignes du gouvernement. Des mesures, comment on lave la main, désinfecter une surface contaminée, nous faisons promouvoir une hygiène à tout le monde. Qui fait nous laver la main pendant 20 secondes? Qui fait le gouvernement que j'ai besoin, le ministère que j'ai besoin de laver la main pendant 20 secondes? Je connais tout virus, il n'est pas une entité vivante. C'est juste une matière génétique qui est englobée dans une cellule. La graisse et sa cellule, la graisse, elle regroupe une cellule protéinique. Est-ce qu'il nous a détrialé? Oui, nous a détrialé. Même un savon qui nous servit la case, un savon, il y a un dégraissant. Un savon, il y a un dégraissant. Ou là, vous la mettez, bien au moins 20 secondes. Par exemple, si vous avez de l'huile dans la main, combien de secondes vous avez là, vous la mettez pour tirer ça de l'huile là? Mais il est pareil comment pour ce virus-là. Le virus-là, il est englobé dans une cellule, la graisse. Quand nous servons le savon, nous lavons, il prend 20 secondes minimum, minimum, pour dégraisser ça, pour casser sa cellule coronavirus là. Donc pendant 20 secondes minimum, nous devons laver nos mains. À ce stade, pas oublier de désinfecter les autres poignets, robinets, quand je finis de laver la main. Pas oublier de désinfecter les autres taquets de la lumière. Pas oublier de désinfecter les autres poignets à la porte. Et tout surface qui a une possibilité et dans ce coronavirus là. Avec qui pour désinfecter? L'étude peut dire, je casse vite l'alcool, 70% ou plus, et moins que 90%. C'est plus que 90%, l'alcool là pour finir évaporer, il n'est pas plus effectif. Je casse vite javel, je dilue l'huile dans de l'eau, suis consigne le galon javel là. J'ai besoin de spray, rendre service spray l'huile, laisse-le pendant 10 minutes, 10 minutes qui fait pour laisser ça désinfecter là, travail, tout ça coronavirus là. Après ça, les laisse au calabre avec ça moi-même. Alors, suivre une consigne gouvernementale, coopérer avec le gouvernement, coopérer avec le ministère, pas faire une polémique. Il y a beaucoup de difficultés. Nous tous ensemble, nous pouvons subir cette difficulté-là. Pour un bien général pour la population de Maurice. Moi, j'espère que je bien comprends qu'une pandémie ralentie, et ça beaucoup la vie. Et en ce moment, ce qui est arrivé à Maurice, pandémie là, elle est sous contrôle. Beaucoup la vie ne s'appelle. Bien réfléchir pour comprendre. Suivre sa bonne conseil scientifique là, pour ne pas infecter les autres et pour ne pas infecter les autres. Un djimoun pour infecter 2 djimoun pour infecter 4 djimoun, 4 djimoun pour infecter 8 djimoun, 8 djimoun pour infecter 16 djimoun, 16 djimoun pour infecter 30 djimoun. Je ne comprends pas comment on va arriver là. C'est dans sa façon là, ce même pays là. Un grand pays à genoux aujourd'hui. Maurice, nous encore en sécurité, continuez à suivre consigne et moi espérer que tout se passe bien pour nous. Merci.